dikkat, dikkat! Testenin büyük boyunda eşlerini yene galipler! Le speaker appelle les hommes au combat. Pelivan, Pelivan. Lutteur, paladin, chevalier, c'est le même mot. Pendant trois jours, le Davul battra. C'est le championnat des Yali Güreş, littéralement lutte graisseuse. En été, sous l'Empire ottoman, au temps où Edirne fut la capitale, il y a 600 ans, lors du rassemblement des troupes aux heures de loisirs, les soldats luttaient déjà dans l'enceinte du camp. La tradition des Yali Güreş serait très ancienne, millénaire. Des ancêtres nomades, turcs ou mongols, se terrassaient déjà, à l'image des Pelivans d'aujourd'hui, mais devant la yourte, dans l'herbe rase d'un haut plateau d'Asie. Le nom du lutteur est inscrit dans le cuir du pantalon. Pelivan, lutteur ou chevalier. On dirait d'un reste d'armure, ce pantalon de cuir noir, dans sa rigidité et son éclat. Les Pelivans viennent de toute la Turquie, de Kars, des frontières, des grands plateaux ventés, de Konya la sombre ou de Brousse la verte, des bords froids de la mer Noire ou des bords torrides de la mer Égée, de moins loin d'Istanbul, ou d'ici, Edirne, en Thrace. Kırım'dan gelir Tatar, tozu dumana katar, egereşini künte alırsa, bandos atar, engürüler yatır, Osmancık'ta sarı satır, pehlivan pir aşkına kısmet taşır. Allah Allah. Allah Allah illallah. Hep beraber pehlivanlar alkışlarla diyelim maşallah. Allah terba versin. Un rite prélude à la lutte. Parade militaire. Geste païen. Incantation à la terre, au soleil. Offrande paysanne. Agenouillement religieux. La sourna va relancer 10 fois, 100 fois l'étreinte des corps couverts d'huile. Toutes les prises sont permises, mais partout les mains glissent. Les seules prises réellement efficaces sont aux jarrets et à l'entrejambe. C'est pourquoi les doigts s'agrippent. Au bas du pantalon, et le bras s'enfonce sous le ventre et la cuisse. Si le lutteur a-t-il pris soin de se mouiller et d'huiler l'intérieur de son pantalon, pour éviter que la poigne de l'adversaire s'y arrête? Thank you.
Il suffit d'un ventre au soleil. Le plus souvent, c'est à peine le temps d'une volte, le dos du vaincu ayant à peine effleuré l'herbe. Les combats durent 3 jours. Le regard peut se lasser des exhibitions masculines. Un spectacle complémentaire a lieu à la porte du stade. Ces jeunes tziganes dansent 12 heures sous la tente surchauffée. Le plus remarquable de leur exhibition est qu'elles arrivent à éviter les clous rouillés qui sortent des planches.
La femme turque, silencieuse, discrète, dément le tapage. La force est derrière son effacement.